Allez, je vais vous proposer maintenant un cours de stretching yoga, enfin, stretching type yoga, on va dire. Un petit mélange entre des postures de yoga, enfin, surtout du stretching quand même, pour vous étirer et vous détendre. Allez, donc on a besoin que d'un tapis aujourd'hui. Donc on va se positionner les pieds à peu près à la largeur du bassin. On va inspirer profondément, monter les bras de chaque côté. En expirant, on descend les bras, on fléchit un petit peu les jambes. Inspirez. Grandissez-vous bien. Expirez. Encore inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Ici, on va inspirer, on étire le bras sur le côté, on étire bien la taille. Expirez. L'autre côté, inspirez. Expirez. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, écartez un peu plus les pieds, pardon. Expirez. Expirez. On enroule les épaules. Alors, on fait une salutation au soleil pour finir de s'échauffer. Donc, les pieds serrés. On inspire, on monte les bras. On regarde les pouces. On expire, on descend dos plat. On inspire, planche. On expire, on descend doucement sur les bras. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Restez un petit peu, tirez bien les fesses vers le plafond. Inspirez, avancez les deux pieds. Expirez. Relâchez la tête vers les genoux. Inspirez, remontez doucement le dos plat. Regardez les pouces. Expirez. On enroule les épaules. On va ramener un pied contre la fesse. On va bien serrer les abdos et pousser un petit peu les fesses vers l'avant. Donc là, on va essayer d'étirer un petit peu les quadriceps. Avoir les deux cuisses au même niveau. Et serrez bien vos abdos, poussez bien vos fesses vers l'avant. Pareil de l'autre côté. Allez, on tire le pied contre la fesse, on serre les abdos, on pousse les fesses vers l'avant. On va écarter les pieds. Ici, on va fléchir les jambes une après l'autre.
rester sur un côté. On va essayer de garder le talon au sol et on va relever l'autre pied. De l'autre côté, on essaie de garder le talon au sol, on relève l'autre pied. Mon chien ronfle. Il se détend lui aussi. C'est bien. Fait qu'il est souvent détendu lui quand même. Pas trop stressé. Hein. Je ne sais pas si vous entendez. On tend les deux jambes. On va écarter un petit peu les jambes. Écarter un peu plus les pieds. Et on va venir relâcher la tête en bas. Essayez de bien caler votre respiration. Et sur chaque expiration, on essaie de rapprocher un petit peu la tête du sol. Toujours en douceur et sans forcer. Laissez-vous guider par votre souffle. Laissez-vous doucement descendre. On va rester en profiter un petit peu de l'étirement. On redresse un petit peu le buste. On va venir resserrer les pieds. Alors on va garder un tout petit peu plus large que le bassin. On va prendre les chevilles et on va doucement tirer sur les bras. On essaie de rapprocher le buste des jambes. Soufflez bien. Relâchez-vous bien. Essayez d'allonger votre dos, hein, comme si vous vouliez tirer la tête vers le sol. Relâchez-la bien aussi, votre tête. Hein. Ne gardez pas la nuque cassée. Hein. Ne relevez pas votre menton. Redresse un petit peu le buste. On va un peu écarter les pointes de pied et on va descendre accroupi. Ça craquille. Ici, on va venir mettre les mains l'une contre l'autre. Alors, vous allez essayer de garder vos talons au sol. Si vous n'arrivez pas à écarter un peu plus les pieds, normalement, vous devriez y arriver avec les pieds un peu plus écartés. On vient joindre les deux mains. Avec les coudes, on va pousser les genoux vers l'extérieur. Et on vient doucement ramener les pouces sur le cœur. Restez concentré sur votre respiration, sur vos sensations. Essayez de vous détendre.
pouvez fermer les yeux, imaginer le soleil, la mer. C'est dans la tête en fait. On relâche. On va se mettre sur les genoux à quatre pattes. On va venir avancer les mains au sol. On va reposer les coudes. On va essayer de creuser un petit peu le dos et de tirer un petit peu les fesses vers l'arrière. Donc là, on étire vraiment tout le buste, les pectoraux principalement. On relâche. On va ramener les mains près des genoux. On va tourner les bras vers l'extérieur et tourner les doigts vers soi. On garde les mains bien à plat au sol et on va essayer de reculer doucement les fesses. Donc on va bien étirer les avant-bras principalement, les biceps aussi un petit peu. Voilà, ne tirez pas trop, n'allez pas trop loin. Si la douleur se localise dans le creux de la main, c'est que vous êtes allé un peu trop loin. On relâche. On va avancer un genou et tendre l'autre jambe derrière. On va se tourner vers la jambe tendue. Et venir prendre le pied. Et on va venir tirer le pied vers la fesse. Donc soit vous restez dans cette posture, soit vous essayez de prendre le pied avec la main opposée. Vous mettez votre pied à l'intérieur du coude et vous venez accrocher les deux mains ensemble. Pareil de l'autre côté. On s'assoit sur le talon. On tend bien notre jambe derrière. On redresse le buste. On se tourne vers la jambe tendue. On prend le pied. Et on tire doucement le pied vers la fesse. Donc, si vous voulez finir la posture, vous prenez le pied avec la main du même côté, vous mettez le pied à l'intérieur du coude et vous crochetez les deux mains. On va rester sur les genoux. On va prendre les mains dans le dos. On va essayer de tendre les bras et de monter un petit peu les bras. En même temps, on va descendre doucement la tête.
on relâche d'abord les bras et on déroule doucement le dos. On va mettre une main au milieu du dos. Et avec l'autre main, on va venir pousser doucement sur le coude. On relâche, pareil de l'autre côté. On va venir s'asseoir juste à côté des pieds. On pose la main de l'autre côté et on lève le bras du côté où on était assis. On va tirer bien sur le côté. Donc essayez de bien ouvrir vos épaules. Imaginez que vous avez un mur dans le dos et que vous essayez de mettre les deux épaules contre le mur. D'aller toujours un petit peu plus loin, sans forcer, toujours en douceur. On relâche, pareil de l'autre côté. Ouvrez bien vos épaules, imaginez toujours le mur dans le dos. On s'assoit. Alors, on va tendre une jambe et on fléchit l'autre. On se tourne bien face à la jambe tendue. On tire la pointe du pied vers soi. On va essayer de prendre le pied avec la main opposée. Si vous n'arrivez pas à attraper le pied, vous prenez votre cheville. On va tout doucement descendre sur la jambe, doucement, sur la respiration, à chaque expiration, essayez d'aller un peu plus loin. Essayez toujours de tirer vers l'avant en allongeant votre dos. Là, il ne vous faut pas en fait descendre au dos rond et amener comme ça la tête vers le genou, parce que là vous allez avoir tout le dos qui va s'arrondir. On ne va pas étirer de la bonne façon. Donc essayez toujours de tirer vers l'avant, comme si vous vouliez amener la tête sur votre pied. Vous pouvez fermer les yeux pour le stretching et ça aide à se concentrer et à se détendre. Voilà, la respiration aussi est très importante. Si vous n'avez pas de douleur lombaire, vous voulez aller un peu plus loin dans l'étirement, un peu plus loin dans le relâchement, vous pouvez doucement relâcher la tête vers la jambe et vous relâchez. Doucement.
mets de l'autre côté. Voilà, donc tu as une jambe en fléchie, l'autre. On se tourne bien face à la jambe tendue, on tire la pointe du pied vers soi. On se tient au pied ou à la cheville avec la main opposée et on tire doucement. On descend en allongeant son dos. Soufflez bien. Fermez vos yeux, essayez de bien vous détendre. Respirez bien. À chaque expiration, essayez d'aller un peu plus loin, mais toujours en douceur. Voilà, si vous n'avez pas de problème de dos, vous pouvez éventuellement relâcher doucement la tête et le buste sur votre jambe. Relâchez doucement, remontez doucement. On passe les deux jambes en écart. Ah, mais si on essaie d'écarter, on va essayer de redresser un petit peu le dos et de basculer un petit peu le bassin vers l'avant. Essayez, voilà, d'avoir le bassin qui bascule un petit peu. On penche le buste et on amène les bras devant, on va légèrement d'un côté et de l'autre. Donc là, il est important d'avoir eu un petit peu la bascule du bassin pour avoir le dos bien positionné et ne pas se faire mal au lombaire. Si vous n'arrivez pas à basculer votre bassin, si vous êtes un petit peu coincé au niveau du dos, vous allez faire pareil avec les genoux un petit peu fléchis. Voilà, ce qui va vous permettre d'avoir la bascule en fait du bassin et de bien pouvoir étirer sans vous faire mal au dos. Soufflez bien. Essayez vraiment de tirer vers l'avant, hein, toujours dans l'allongement du dos. On va garder les mains au milieu et petit à petit, on va essayer d'avancer les mains. Toujours en essayant d'avoir cette bascule au niveau du bassin et le dos redressé. Soufflez bien toujours. Essayez toujours d'aller un petit peu plus loin, toujours dans l'allongement de votre dos. On va remonter tout doucement en poussant sur les bras. Redressez bien le dos. On resserre doucement les jambes. Ici, on va se tenir aux genoux. On arrondit son dos, on relâche bien ses épaules.
croise les jambes. On va essayer d'ouvrir un petit peu les genoux. Redressez le dos, maintenez le dos droit, les épaules relâchées. On va venir pencher la tête sur le côté. Gardez toujours votre dos droit et vos épaules basses. Pareil de l'autre côté. Bien, on penche la tête devant. On revient, on penche vers l'arrière, pas trop bas. On revient doucement, on va faire des grands cercles. Relâchez bien la tête, les épaules et maintenez votre dos droit. Pareil dans l'autre sens. On entend un petit peu les bruitages de mon fils, quand il joue, il est un peu bruyant. Là, il fait des bruits de Formule 1. J'espère que vous entendez plus la musique que ces bruits. On relâche. Et on va s'allonger sur le dos. Déroulez le dos au sol. On va tendre une jambe. On va tirer doucement la jambe vers soi, la pointe du pied vers le bas. Et on va aller tendre l'autre jambe au sol. Donc on essaie d'avoir les deux jambes bien tendues. Et on tire doucement la jambe du dessus vers soi. Tirez la pointe du pied vers le bas. Et si vous pouvez, vous prenez la pointe du pied avec la main opposée. Soufflez bien. Et on fait pareil de l'autre côté. Bien, tirez bien la jambe vers vous, la pointe du pied vers le bas. Vous prenez avec la main opposée si vous pouvez. On relâche. On ramène les deux genoux contre le buste. On appuie sur les genoux. On rentre le menton. On
écarter un petit peu les genoux, relever un petit peu les pieds et on va venir appuyer sur les talons. Avec les coudes, on pousse un petit peu les genoux vers l'extérieur, donc on écarte un petit peu les genoux. Et en même temps, on vient pousser les lombaires contre le sol. Le bas du dos est bien appuyé au sol. On va crocheter les orteils avec les mains. Donc, on passe l'index et le majeur à l'intérieur des gros orteils, les pouces à l'extérieur. Et on va essayer de tendre les jambes en gardant toujours les lombaires, le bas du dos, plaqué au sol. Étirez doucement. Si on garde les genoux au-dessus du buste, on va enrouler doucement et venir ici positionner les mains au niveau des lombaires. On va essayer doucement de tendre les jambes. N'essayez pas trop de monter au-dessus de la tête, restez un petit peu en décalé, les jambes, voilà, que vous soyez au niveau de, pas un appui sur la tête, ne mettez pas d'appui sur votre tête, restez un appui sur vos omoplates et vos coudes. On garde les jambes tendues, on va juste fléchir au niveau des hanches et descendre les genoux au-dessus du visage. On tire les pointes de pied vers le sol et on tend les bras au sol. On fléchit les genoux. Et on déroule tout doucement le dos au sol. On va appuyer. Alors on va prendre le genou gauche avec la main droite. On vient appuyer le genou contre le buste. On va tendre la jambe droite au sol. Et on va venir tirer le bras gauche derrière la tête. On appuie sur le genou gauche avec la main droite et on va tirer le genou légèrement vers l'intérieur, donc vers la droite. Tendez bien le bras et la jambe opposée au sol et tirez-vous bien. Pareil de l'autre côté, on prend le genou droit avec la main gauche, on tend la jambe gauche et le bras droit, on tire le genou contre le buste et vers l'intérieur, vers la gauche. On ramène les deux genoux au-dessus du buste, on rentre le menton, on appuie sur les genoux. On met les bras en croix au sol, on tourne les paumes de main vers le plafond. On va doucement poser les jambes une après l'autre sur un côté.
On garde les deux épaules au sol. Et on va venir tourner la tête du côté opposé. Si vous voulez accentuer un petit peu l'étirement, vous pouvez venir appuyer sur la jambe du dessus. Soufflez bien, essayez de bien vous relâcher. Maintenez bien les deux épaules au sol. On remonte doucement les jambes, une après l'autre. Pareil de l'autre côté. Relâchez-vous bien, maintenez les deux épaules au sol. Soufflez bien. Doucement les jambes, une après l'autre. On appuie sur les genoux, on rentre le menton, on souffle. On repose les pieds au sol. Donc on va faire maintenant 2-3 minutes de détente, de un petit peu sophrologie. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous relâcher complètement, reprendre une respiration tout à fait normale. Vous gardez quand même une respiration assez profonde. Donc deux options au niveau des jambes. Soit vous restez jambes un petit peu fléchies. Vous écartez un petit peu vos pieds, vous laissez vos genoux se reposer l'un contre l'autre. Donc là, c'est si la position allongée, jambes allongées, vous êtes un petit peu inconfortable pour les lombaires, ce qui est un petit peu mon cas. Donc vous pouvez sinon tendre vos jambes au sol et vous relâcher, jambes tendues au sol. Mais il est vrai que ça provoque quand même une cambrure du dos. Alors ça dépend si vous, enfin, vous faites comme vous vous sentez le plus à l'aise. Sachant qu'il vous faut quand même essayer de bien relâcher tout. Vos muscles, donc si vous êtes jambes fléchies, il ne faut pas que vos pieds glissent, il faut que vous puissiez vraiment reposer vos genoux l'un contre l'autre de façon à être complètement détendu. Fermez les yeux, vous mettez vos mains en bas du ventre et vous allez vous concentrer sur votre respiration d'abord. Donc essayez d'avoir une respiration assez profonde. À chaque inspiration, vous devez sentir le ventre se gonfler légèrement sous vos mains. Et à chaque expiration, vous sentez votre ventre se creuser légèrement. Et en même temps, vous allez relâcher tous les muscles de votre corps. En commençant par vos pieds, orteils, chevilles, puis tous les muscles des jambes sur toute leur longueur. Relâchez bien les mollets, les cuisses. Puis vous relâchez tous les muscles au niveau de votre bassin. Relâchez tous les muscles de votre dos, du bas du dos jusqu'en haut. Relâchez vos épaules. Relâchez bien la nuque. Vous pouvez laisser pencher la tête légèrement.
Relâchez bien tous les muscles de votre visage et de votre mâchoire. Vous devez être complètement relâché. Les bras, les mains, la nuque, votre visage, desserrez votre mâchoire, lissez votre front. Continuez de respirer profondément à chaque expiration. Imaginez que vous vous enfoncez dans le sol et de vous alourdir un peu plus à chaque expiration. Alors, on va tout doucement relever les genoux un après l'autre au-dessus du buste. On va inspirer profondément. Et sur l'expiration, on va appuyer ses genoux contre son buste. On met les jambes à la verticale, on secoue un petit peu les jambes. Et on va se pencher sur le côté. Restez un petit peu. Et on vient s'asseoir. Allez, croisez vos jambes. On va inspirer, monter les bras. On expire. Encore inspirer. Expirer. Une dernière fois. Et on expire. Et voilà. Et bien moi, cette séance m'a fait du bien. J'espère que c'est pareil pour vous. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi. Allez, salut !